Je suis issue d'une famille de basketteurs. Donc j'ai mon père qui est un ancien international polonais qui compte 80 sélections en équipe de Pologne, qui a joué en Pologne à Varsovie, qui est ensuite arrivé en France vers les années 80. Il a joué dans le Nord, il a joué vers Charenton, ensuite il est allé à Orléans. J'ai aussi du côté de ma mère, j'ai mes cousins qui font du basket en Pro B. J'ai mon oncle qui est entraîneur, j'ai ma tante qui était basketteuse. J'ai commencé le basket à l'âge de 11 ans. Donc c'est mon père bien sûr qui m'a lancé dedans. Donc j'ai joué dans mon petit village en Poussine, en Benjamine. Ensuite autour d'Orléans, j'ai joué en minime là-bas, en minime France, cadette France, puis senior national 3, national 2. Dans ma jeunesse, j'étais pas très portée basket professionnel. On va dire que le haut niveau me faisait peur, donc c'est vrai que j'ai eu à plusieurs reprises refusé l'équipe de France. Donc l'équipe de France jeune des moins de 18, 19 et moins de 20. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je le regrette, hein, c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est le passé, je vais essayer de rattraper le temps perdu. Bon, ses points forts déjà c'est sa qualité athlétique, hein. C'est une fille qui fait quand même 1m97, qui a des bonnes mains, qui a des grands segments, qui est physiquement solide, hein, dans ses appuis au sol, c'est vraiment une vraie 5, quoi. Même si on essaye de lui apporter un petit shoot extérieur assez compétitif. Et moi ce que j'aime bien c'est qu'elle est physiquement elle est toute neuve, quoi. On peut vraiment, vraiment travailler énormément avec elle et elle encaisse les séances de travail facilement. Nous, on est contente qu'elle ait signé au BLMA parce que voilà, c'est ce qui nous manquait un petit peu de taille. Et puis, c'est vrai que c'est une jeune joueuse, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est toujours là avant et après les entraînements. Très bonne mentalité, grosse travailleuse, beaucoup d'envie, irréprochable. Découvre l'Euroleague cette année, donc c'était un de mes objectifs arrivé à la fin de saison dernière. Je voulais absolument jouer une Coupe d'Europe cette année. Donc c'est vrai qu'avec Montpellier, j'ai eu l'occasion de découvrir ce niveau. Mes objectifs personnels maintenant, c'est sûr, c'est de rattraper le temps perdu. Donc maintenant que je suis dans le niveau, je vais progresser un maximum en travaillant dur. Après, bon, l'équipe de France, bien sûr, ça reste un objectif. Puis voilà, donc continuer à prendre plaisir et essayer d'atteindre le plus haut niveau en Europe. Elena, je pense, est encore jeune, c'est sa première année d'Euroleague. Quand on voit les progrès qu'elle fait de match à match, je pense qu'à la fin de la saison, elle aura accumulé pas mal d'expérience. Après, pour l'équipe de France, elle est encore jeune, mais je pense qu'avec ses qualités d'adresse et sa grande taille, elle peut forcément aider cette équipe. Après, elle n'a que 23 ans, donc il ne faut pas non plus lui demander de brûler les étapes, la laisser évoluer tranquillement et... Je pense pas trop lui prendre la tête, mais voilà, je suis sûre que ça sera un pilier de l'équipe de France dans quelques années.